Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers amis, c'est un grand jour de joie pour notre Église diocésaine. Elle vit ce moment de joie tout particulièrement en communion avec l'Église qui est au Vietnam et la famille et les amis qui, là-bas, vont pouvoir suivre cette célébration puisque Antoine est de ce pays. Il deviendra prêtre pour notre Église de Moselle. Nous serons aussi en communion avec les diocésains de Strasbourg. Nous sommes ensemble à nous entraider au moment où ils attendent un nouvel évêque et au même moment, à la même heure, des ordinations sont célébrées dans la cathédrale de Strasbourg par Monseigneur Roland Minrath, archevêque émérite de Dijon. Je n'oublie pas tous ceux qui sont rejoints aussi par les ondes et tout particulièrement les auditeurs d'RCF. Merci à cette radio de permettre à tant de personnes, là où elles sont, de vivre ce moment de grâce que le Seigneur nous accorde. C'est avec joie que nous entrons dans cette célébration pour ordonner diacre Alexandre, que vous connaissez, Antoine, que j'ai ordonné diacre au mois d'octobre et qui sera ordonné prêtre, que vous connaissez aussi, que tous ceux qui viennent de nos paroisses sachent qu'ils sont vraiment chez eux dans notre cathédrale, votre cathédrale, cette église mère dans notre diocèse. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance, Alexandre Yek. La Sainte Église vous présente notre frère Alexandre et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? Alexandre est né le 4 février 1995 et a grandi à Wustwiller, près de Sarreguemines, dans un terreau favorable à la croissance de sa foi. Ses parents et ses grands-parents ont été pour lui les premiers témoins du Christ et modèle de fidélité dans l'engagement. La dimension familiale, il l'a aussi trouvée dans sa paroisse d'origine, où l'expérience du service de l'autel reste fondatrice pour lui. C'est là, dans la célébration de l'Eucharistie, que son désir de servir le Christ et l'Église s'est ancré. Après sa confirmation à Thésée, dans un climat de prière et de silence, a commencé à se poser pour lui la question d'un appel au ministère de prêtre. Son discernement a commencé pendant son temps d'études secondaires et supérieures en comptabilité-gestion. Et puis s'est ouvert une période de 7 années de formation et de discernement. Une année à Nancy en propédeutique, année d'approfondissement de la foi et d'enracinement dans la prière. Puis 2 années à Metz, où il a vécu avec ses frères de séminaire un temps d'amitié et de fraternité favorable à la croissance du disciple missionnaire du Christ qu'il désire être. Puis il lui a été demandé de quitter pour un an, sa chère Moselle. Son stage intercycle à Marseille, à la maison Bernadette, a été très importante pour lui. Il reste marqué par l'esprit de cette petite communauté, esprit de fraternité, de prière, de service, marqué aussi par le témoignage chrétien des bénévoles qu'il a connus là-bas, et par les enfants, les jeunes et tous les pauvres de ce quartier. Il en est revenu
davantage convaincus que notre vie doit être fondée sur le Christ et plus désireux de donner sa vie. Le second cycle s'est déroulé d'abord à Metz, puis depuis 2 ans à Issy-les-Moulineaux. Alexandre aime le diocèse de Metz, avec sa particularité concordataire. Mais le partage avec des séminaristes d'autres régions de France l'ont renforcé dans sa conviction que l'Église est large, qu'elle n'a pas été instituée pour elle-même, mais qu'elle est missionnaire, et que chaque baptisé est appelé à laisser rayonner la présence de Jésus et de l'Esprit dans le monde où il est envoyé. Durant ces 3 années de second cycle, la dimension pastorale de sa formation doit beaucoup à la communauté des prêtres résidant à Sarrebourg. Paul Bayot, Raphaël Chaigne et les autres prêtres, dans cette diversité qui réjouissait notre frère Alexandre. Il doit beaucoup aussi à toute la communauté de fidèles qu'il aimait rejoindre chaque semaine, ainsi que quelques périodes plus longues pendant les vacances. Il leur est reconnaissant. Alexandre a conscience qu'il continuera d'apprendre à être disciple et pasteur dans les différentes communautés et missions qui lui seront confiées. Avec cette pointe d'humour qui revient souvent dans sa bouche, il qualifie son tempérament de diesel, parce qu'il sait qu'à chaque nouvelle mission, il lui faut un peu de temps pour s'intégrer. Il emploie aussi volontiers l'image du chien de berger pour illustrer son désir de rassembler et de faire attention à chacun pour que personne ne soit mis de côté. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Alexandre a été jugé digne d'être ordonné. Alexandre, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous signifier le don de vous-même au Christ Seigneur ? Gardez toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Alexandre pour l'ordre des diacres. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Antoine Nguyen Dai Loy. La Sainte Église vous présente notre frère Antoine et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? Comme vous l'avez dit au début de cette célébration, Monseigneur, Antoine est né au Vietnam le 8-8-88, dans le diocèse de Tanoa, est né d'une famille de 3 enfants. Il a dû, dès son plus jeune âge, participer à la vie du foyer lorsque son père est décédé prématurément en 1996. Dans sa paroisse d'origine, il a mûri une foi profonde et engagée. Il a aussi déployé des talents dans bien des domaines, la musique, le jardinage, la cuisine. Et après son bac, il a travaillé dans les usines de tissage à Saïgon, lui permettant de faire l'expérience du monde ouvrier, de ses précarités.
Appelé par le Christ à lui offrir toute sa vie, il a poursuivi son discernement et sa formation, tout d'abord au Vietnam, puis en France, dans notre diocèse, à partir de 2014. Vous l'avez ordonné diacre le 9 octobre dernier. Aujourd'hui, entouré de sa maman, de son frère, d'amis, de prêtres venus spécialement du Vietnam, Antoine se présente devant vous avec le ferme désir de servir l'Église de notre diocèse. Il vient de vivre une riche année comme diacre au sein des paroisses du secteur de Saint-Avold, sous la responsabilité de l'abbé Olivier Riboulot. Une équipe composée de prêtres et de laïcs s'est constituée pour l'accompagner dans ses premiers pas de ministre ordonné. Il a participé au pastoral de l'enfance et des jeunes. Il a mis ses compétences musicales au service d'un petit groupe de chants liturgiques. Il a découvert les réalités de la pastorale dite ordinaire, où il s'agit de cheminer avec les personnes, quelle que soit leur histoire de vie et de foi. Il a pris encore plus conscience du grand écart entre la vie ecclésiale en France et celle qu'il a connue au Vietnam. Et souvent, il s'interroge sur la nécessité absolue qui est la nôtre, aller vers les personnes pour leur annoncer la joie de l'Évangile. Tout au long de cette année, j'en témoigne, ainsi que l'abbé Jean-François Mertz, il a pris le temps d'un vrai travail intellectuel, personnel, et il a participé aux sessions de formation pastorale en lien avec le séminaire de Strasbourg pour achever sa formation initiale. Il sait qu'il devra toujours faire l'effort de bien comprendre la culture et la vie au sein de notre société occidentale. D'ailleurs, parmi ses découvertes de cette année, il a compris que si le riz est sacré au Vietnam, la pomme de terre est divine en Lorraine. Puisse-t-il, par le ministère que vous lui confierez, devenir un authentique témoin du Christ et un fidèle serviteur de sa parole. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Antoine a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, boni voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu procurer à ton peuple des pasteurs. Répands dans ton Église un esprit de force et de piété qui fasse de tes serviteurs que voici des ministres dignes de servir à ton autel et des prédicateurs de ton Évangile, infatigables et remplis de douceur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Ton grand amour.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, chers amis, chers frères et sœurs, l'engagement d'Alexandre et celui d'Antoine, c'est-à-dire leur réponse à l'appel de l'Église, s'inscrit dans la longue histoire de l'humanité et la grande histoire du peuple de Dieu. Cette réponse prend naissance dans le lien que Dieu établit avec l'humanité, l'alliance que Dieu veut vivre avec les hommes de tous les temps. Elle se situe au cœur de la vocation de tout homme qui consiste non seulement à connaître Dieu, mais à partager sa vie qu'il nous donne. La destinée de tout homme, sa vocation ultime, est en effet de vivre avec Dieu. C'est là, dans cette vie avec Dieu, que se découvre et est accueilli le vrai sens de la vie. Nous existons pour être tous ensemble avec Dieu. Mais l'histoire de l'humanité, comme celle du peuple de Dieu, est aussi une histoire dramatique, tragique, peut-on même dire. Ce lien, cette relation que Dieu veut instaurer, se heurte en effet à de nombreux obstacles. Au cours de l'histoire de l'humanité et du peuple élu, c'est-à-dire du peuple choisi, pour être aux yeux de l'humanité le signe de cette relation à Dieu, pour être le porteur de cette relation, pour être le peuple qui nous y introduit, le drame du refus et même du rejet s'installe. Le psalmiste, au nom de ce peuple de Dieu et avec lui, peut alors crier son désarroi. De la vigne que tu as prise à l'Égypte, que tu as replantée pour qu'elle emplisse le pays, pourquoi as-tu percé la clôture? Pourquoi les sangliers la ravagent-ils? Pourquoi l'as-tu abandonnée? Dieu de l'univers, reviens, visite cette vigne, protège-la. Le prophète Jérémie vit cela dans sa chair. Nous venons de l'entendre. J'entends les calomnies de la foule. Tous mes amis guettent mes faux pas. On imagine sa souffrance, car ne se sentant pas à la hauteur de la mission que Dieu voulait lui confier,
il s'était entendu dire par Dieu, c'est au début du livre du prophète Jérémie, « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Le psalmiste se fait l'écho de la souffrance de Jérémie. On l'écoute, « C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. » Jésus, chers amis, chers frères et sœurs, confirme cette histoire dramatique à travers la parabole des vignerons homicides. Non seulement les prophètes sont exécutés, mais le Fils lui-même le sera. Saint Paul, et c'était la deuxième lecture que nous venons d'écouter, développe, en reprenant l'origine de ce refus de l'humanité, signifié par la figure d'Adam. Nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Non pas simplement la mort physique, matérielle, biologique que l'on constate, mais la mort qui sépare, qui casse, qui anéantit la relation, le lien. Oui, Alexandre, Antoine, vous êtes disponibles. Vous savez que j'aime cet adjectif, les prêtres aussi d'ailleurs. Vous êtes disponibles pour suivre le Christ comme serviteur et pasteur dans un monde abîmé, dans une église composée de pécheurs. Vous êtes de cette humanité et de cette église. Vous êtes comme chacun de nous des pécheurs, mais Dieu vous fait confiance, de même que l'Église qui sans cesse, tout en étant sainte dans ses fondements, est en voie de purification dans tous ses membres. Cependant, dans ce drame, lui encore une lueur d'espérance. La pierre rejetée par les bâtisseurs devient pierre angulaire, pierre qui permet à l'édifice de tenir, de ne pas s'écrouler. La pierre angulaire, c'est le Christ, victorieux de la mort, du péché, de la haine, de la violence. Avec le Christ, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de cette longue histoire. Nous sommes dans le temps de la victoire, de la résurrection. Avec le Christ ressuscité, nous sommes nous-mêmes ressuscités. Mais tout n'est pas accompli et la passion, la souffrance, la mort sont encore présentes dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. C'est le paradoxe de ce drame qui s'achève pourtant. Avec Paul, nous pouvons dire que nous sommes rendus participants de l'œuvre du Christ dans sa passion et sa résurrection. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est cela qui est visible et qui est dévoilé, qui n'est plus caché, mais connu. C'est cela que l'on entend au creux de l'oreille. C'est cela qui ne peut être détruit. C'est cela que n'atteignent pas ceux qui tuent le corps sans toucher l'âme. Et pourtant, cette réalité humaine, douloureuse, éprouvante, cette situation que nous vivons, suscitant parfois le refus et la révolte, il nous faut la vivre en trouvant la paix proposée par Paul, l'accueillir, la susciter. Je le cite, « Ne soyez inquiets de rien,
mais en toutes circonstances dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Pour que nous puissions garder nos cœurs et nos intelligences dans le Christ Jésus. Car le Christ nous garde, puisque même nos cheveux sont comptés. Garder son cœur et son intelligence dans le Christ Jésus. C'est bien cela qui est le terreau où ont été confortées vos réponses, Alexandre et Antoine. Au cœur de l'histoire de Dieu et de l'humanité, au cœur du drame qu'il habite, au cœur de vos propres vies, au cœur de nos vies, il y a la source de paix qu'est le Christ. Nous ne pouvons relativiser nos difficultés, nos épreuves, nos questionnements que dans le Christ. Et c'est parfois difficile. Devenir diacre, être configuré au Christ serviteur, devenir prêtre, être configuré au Christ pasteur, être serviteur, être pasteur, donne cette orientation vers la paix. Saint Paul le dit malgré et avec les nombreuses épreuves qu'il a connues. Rappelez-vous toujours, Alexandre et Antoine, qu'en devenant serviteur et pasteur comme le Christ, avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, vous laissez Dieu construire solidement avec vous votre vie au service de la vie des autres en la fondant, en les fondant sur cette paix définitive. Il vous faudra toujours rappeler cette condition du serviteur et du prêtre profondément pacifiée. On peut décliner quelques qualités du serviteur et du pasteur. Serviteur et pasteur au risque de perdre sa vie, comme le fils du maître de la vigne, comme le Christ. Servir et conduire, c'est écouter paisiblement. C'est s'approcher sans cesse des autres, avec délicatesse et douceur, plus particulièrement des plus fragiles, des plus pauvres, qui sont l'image la plus sûre et la plus belle du Christ. Ils nous invitent, dans leur situation, à nous dépouiller nous-mêmes. Et par là même, ils sauvent notre relation à Dieu et aux autres. S'approcher des plus démunis et marcher avec eux, cheminer avec eux. Servir et guider, c'est ne jamais être dans la violence, ni la peur de la violence. Le diacre nous rappelle que dans nos relations les uns avec les autres, nous ne pouvons jamais sacrifier le service au nom d'une stratégie, d'une peur de l'avenir, de la préservation d'une situation et même de notre propre vie. Le pasteur, au milieu de son troupeau, encourage, écoute, marche avec, il n'est jamais seul. Il donne sa vie pour ses brebis et il aime chacune d'elles. Le diacre, parce qu'il est dans la situation constante du serviteur, met alors en lumière la qualité qui nous rapproche le plus de Dieu, l'humilité. Le pasteur est parfois simplement là, présent, et il laisse les brebis trouver le bon pâturage. Il alerte lorsque le chemin pris n'est pas le bon. Il rattroupe, il corrige délicatement. Il montre le bon chemin. Nous pouvons citer, comme aimait le faire mon prédécesseur, je crois, le grand saint François de Sales, qui nous indique combien l'humilité est le plus sûr chemin pour découvrir l'état bienfaisant de tout petit. Pour que la force devienne service, qu'elle devienne douceur et don. Être doux et humble de cœur comme Jésus. Lui, le Tout-Puissant, dira saint Paul, s'est fait humble et tout petit. La kénose, l'abaissement, vrai chemin pour atteindre à la perfection de Dieu
et l'accueillir. Vertu hautement salésienne, l'humilité a même été proposée par saint François de Sales à sainte Jeanne de Chantal comme fondement de l'ordre de la Visitation. Lui qui chérissait les plus petites vertus plus que les grandes ne pouvait que mettre en valeur cette humilité plus que tout, puisqu'elle est la plus petite des petites vertus. L'humilité est une école de dépossession. Plus nous nous détachons, plus nous nous libérons de ce qui enferme, plus nous sommes disponibles à l'action de Dieu qui peut nous attirer à lui, nous soulever, nous emporter, rendre léger notre fardeau et notre joug. Et cela n'est pas bien facile, car chacun de nous peut être un faux humble. François de Sales préférait, disait-il, l'attitude humble aux paroles d'humilité, percevant bien que dans ce domaine, plus on parle, moins on est ce que l'on dit. De ces paroles qui disent l'humilité, il se méfiait. Elles sont, écrivait-il, la fine fleur, la crème et l'élixir de l'orgueil le plus délié. Et il poursuivait, le vrai humble ne veut point paraître tel, mais l'être. L'humilité est si délicate qu'elle a peur de son ombre et ne peut ouïr nommer son propre nom sans courir le risque de se perdre. Alexandre, tu ne seras pas diacre, c'est-à-dire serviteur, pour un temps seulement, tu le seras pour toujours. De même, toi, Antoine, qui es toujours diacre, tu seras un prêtre pour toujours. Le sacrement de l'ordre, dans ces deux degrés, le diaconat et le presbytérat, que vous recevrez dans quelques instants, le signifiera et le rendra effectif. Autour de nous, avec nous, dans ce cœur, Alexandre et Antoine, cet après-midi, il y a des jeunes. Ils vous accompagnent. Il est certain que parmi eux, ou dans leur entourage, ou parmi leurs amis, leurs camarades, leurs voisins, certains sont appelés par le Seigneur, comme vous, à devenir diacres, serviteurs. Certains ont vu de devenir prêtres, pasteurs. Portons-les dans la prière pour qu'ils sachent répondre à l'appel du Seigneur. Qu'auprès d'eux, nous soyons de ceux que le Seigneur met sur leur chemin pour que leur réponse soit effective et que nous n'ayons pas trop à les attendre. Car, comme l'a dit Benoît XVI, que j'aime citer au début de son pontificat, « N'ayez pas peur, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Aujourd'hui, comme hier, il est là. » Veni Creator Spiritus, mentis tuum visita, in Christum verba.
Alexandre, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Alexandre, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit-Saint? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Alexandre, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Antoine, fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Antoine, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres, demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie. Vierge, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul. Saint Jean, priez pour nous. Saint André, Saint Thomas, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Philippe, priez pour nous. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Simon et Saint Jude, c'est Saint Barnabé, Saint Luc et Saint Marc, Saints apôtres et Saints évangélistes, Sainte Marie Madeleine, Saint Timothée et Saint Tite, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Corneille et Saint Cyprien, priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, Sainte Agnès et Sainte Cécile, Saint Polycarpe et Saint Boniface, Saint Alexandre et Saint Nabor, Saint Augustin Chefleur et les saints martyrs du Vietnam, priez pour nous. Tous les saints martyrs, priez pour nous. Saint Basile et Saint Athanase, priez pour nous. Saint Ambroise et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Jérôme, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous. Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Paul VI et Saint Pie V, priez pour nous. Saint Léon IX et Saint Pie X, priez pour nous. Saint Clément et Saint Grandegrand, priez pour nous. Saint Charles Borromée, priez pour nous.
Saint-Nicolas, patron de la Lorraine. Priez pour nous. Saint-Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Saint-Pierre Fourier. Priez pour nous. Saint-Bruno et Saint-Bernard. Saint-Ignace de Loyola. Saint-François-Xavier. Saint-Fondateur, évangélisateur. Saint-Antoine et Saint-Benoît. Saint-Dominique et Saint-François. Saint-Moines et réformateurs. Saint-Louis, roi de France. Sainte-Élisabeth de Hongrie. Saint-Charles de Foucault. Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Bernadette Sobérot. Priez vous tous, saints et saintes de Dieu. Priez-vous. Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur. De tout péché, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs. Qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. Oh, qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres. Oh, qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoutez-nous. Oh, qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer miséricorde. De grâce, écoutez-nous. Oh, qu'il te plaise de nous affermir et garder fidèles à ton service. De grâce, Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous, ô Christ, Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat, par le Christ notre Seigneur.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres, toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit-Saint, cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint. En donnant le témoignage d'une conduite pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alexandre, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Thank you.
Frères et sœurs, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour Antoine, qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur lui les dons de son esprit.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. Toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps, qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés à la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite. Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques, pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit-Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore la miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu avec conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, ilium Dei.
Mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Élevons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit-Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de ministères. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Thank you.
es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse pour nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Philippe et l'ensemble des évêques, tes serviteurs ordonnés aujourd'hui, diacres et prêtres de l'Église, tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour tous les défunts de la famille d'Antoine, et en particulier son papa Joseph. Te prions aussi pour tous les défunts des familles Jacques Ries. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous la paix. Volontiers. C'est le Christ. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas de que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Puisque j'ai un nouveau diacre et un nouveau prêtre, je suis heureux, comme vous. Alors il faut que je puisse dire comment ils vont concrétiser leur ministère. Alors commençons par le diacre. Philippe Ballot, c'est moi. Par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, archevêque et évêque de Metz, à Monsieur l'abbé Alexandre Jaek, il m'a dit qu'il y a plusieurs manières de le prononcer, son beau nom, nouveau diacre ordonné en vue du ministère presbytéral. Par l'ordination diaconale, vous êtes habilité à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie de la parole et de la charité. Votre lieu d'affectation canonique est la communauté de paroisse, les ponts à Metz devant les ponts. Vous résiderez au presbytère de Metz devant les ponts, au 22 rue Nicolas Jung. Vous lirez le reste qui précise comment il faut être canoniquement dans les règles. Donc, bienvenue près de l'évêché, finalement. C'est plus près que là où tu étais. On peut applaudir. Donc toujours Philippe Ballot, c'est-à-dire moi, par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, archevêque-évêque de Metz, à Monsieur l'abbé Antoine Dailoy-Nguyen, là je ne m'étale pas sur la prononciation qui doit être défectueuse. Nouveau prêtre, c'est tout le peuple de Dieu, évêque, prêtre, diacre, religieux, religieuse et laïque, qui est l'acteur de la mission de l'Église avec l'aide de l'Esprit-Saint. Mission qui consiste à laisser resplendir la beauté de l'amour salvifique de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est une citation du pape François dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». Le ministère presbytéral y trouve sa place particulière et s'exerce en pleine communion avec l'évêque, en lien étroit avec les autres prêtres et en corresponsabilité différenciée avec les diacres et les laïcs. Dans cet esprit et par les présentes, je vous nomme vicaire au service des communautés de paroisse Saint-Nabor de Saint-Avold et Notre-Dame du Val, que vous connaissez, avec tous les droits et devoirs y afférents, et ce pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 août 2026. Et vous lirez la suite qui vous donne les précisions canoniques pour l'exercice de ce ministère. Vous pouvez encore applaudir. La joie de ce jour, frères et sœurs, nous vient du Seigneur.
C'est lui la source de toute joie. Nos premiers mots sont destinés à toi, notre Dieu. À toi, notre louange et nos actions de grâce. Nous pouvons nous tourner vers toi, Seigneur, aujourd'hui, car tu es venu vers nous en premier. Tu nous aimes. Tu nous as créés. Tu nous as donné ton Fils comme Rédempteur et Sauveur. Et tu nous guides par ton Esprit. Nous sommes tes serviteurs. Garde-nous toujours unis à toi, prompts à faire ta volonté. Nous restons fragiles et pécheurs. Ne cesse pas de façonner notre cœur pour pouvoir être de vrais témoins brûlants de ton amour. Tu nous as montré l'exemple par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en donnant que l'on gagne tout. Reçois notre action de grâce, toi qui nous fais confiance. Monseigneur, par l'imposition de vos mains, vous avez fait de nous vos collaborateurs pour annoncer l'évangile du Christ ressuscité, plus particulièrement ici en Moselle. Merci pour votre confiance et votre engagement en tant que pasteur de notre Église diocésaine. Nous remercions l'équipe des formateurs du Grand Séminaire de Lorraine, les pères, les professeurs qui nous ont accompagnés durant ces années de formation. Nous remercions également l'équipe des formateurs du séminaire Saint-Sulpice, la communauté des séminaristes présents ou en union de prière, ainsi que les professeurs. Merci aux communautés de paroisses de Thionville, de Saint-Avold et de Sarrebourg qui nous ont accueillis. C'est parmi vous que le Seigneur a pu façonner notre cœur. Merci à nos curés de stage qui nous ont partagé leur expérience de vie de pasteur. Merci à vous, frères prêtres et diacres, pour votre présence, votre accueil parmi vous et votre soutien. Un grand merci au chapitre de la cathédrale, à notre cérémonière pontificale, à la maîtrise et aux musiciens, à vous qui avez contribué de près ou de loin à la beauté de cette célébration. Merci à l'équipe de communication du diocèse, à RCF, pour le travail effectué pour que cette célébration puisse être suivie jusqu'au Vietnam. Merci au recteur du site du Grand Séminaire et son économe pour nous permettre de tous nous retrouver après cette célébration dans les jardins du séminaire. Et merci à ceux qui vont, comme Saint Jean-Baptiste un peu, marcher devant pour préparer les rafraîchissements. Un grand merci à mes frères et sœurs de mission avec qui j'ai pu vivre une année de service extraordinaire à Marseille, à la Fraternité Bernadette. Votre engagement et votre foi m'ont marqué et ont été importants pour l'engagement que je pose aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi la communauté chrétienne qui m'a vu grandir au milieu d'elle. Elle a été le lieu du développement de ma vocation par son accueil et son côté familial, donnant pour moi une représentation de la famille chrétienne. Et merci aussi à ma famille, mes petits frères, que j'ai la chance d'avoir à mes côtés, et mes parents. Papa, maman, vous avez été pour moi des témoins, des modèles. Vous avez accueilli ce projet de vocation et vous m'avez soutenu. Vous m'avez donné le meilleur, le Christ. Je lui rends grâce de m'avoir donné des parents comme vous. Et avec un mois d'avance, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire de mariage. 30 ans, ça se fête. Qu'il vous bénisse et vous garde. Il y a encore trois feuilles. Je voudrais remercier aussi Madame Catherine Congrat, notre professeur, Madame Simone Brozovic. Permettez-moi aussi de parler avec ma famille,
mes proches et mes amis, les communautés vietnamiennes ici présentes par la langue maternelle. Depuis Vietnam, nos frères et sœurs vivent aussi avec nous cette célébration par la transmission en direct grâce à l'équipe COM de diocèse. Merci beaucoup à vous. Trọng kính quý đức cha, kính thưa cha bố Phaolô Trần Văn Hiền, quý cha Linh Tông, quý cha giáo phận Thanh Hóa, cha chính sứ Thái Yên, quý cha sứ, quý cha đồng tế, quý thầy đại chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ, mẹ em và toàn thể mọi người trong gia đình cùng tất cả mọi người đang hiện diện cũng như đang theo dõi trực tiếp thánh lễ chuyển chức linh mục ngày hôm nay. Trước hết con xin tất cả mọi người nhận lấy nơi con tấm lòng biết ơn và cảm tạ. Xin cùng con tạ ơn Chúa trong giây phút này, tạ ơn lòng thương xót Chúa. Con xin cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa đã dẫn con đi đến ngày hôm nay. Vâng, đúng thế. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa thương ban, trước hết là cho bản thân con, thứ đến là cho gia đình con, cho giáo họ và cho giáo xứ quê hương con, và cuối cùng là cho tất cả mọi người. Xin mọi người hiệp ý tạ ơn Chúa cùng với con. Con cũng xin nhớ đến để biết ơn Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, người đã thương hướng dẫn và nâng đỡ con cho đến ngày hôm nay. Con cũng không quên Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, Ngài đã thương cho phép con được mục vụ trong giáo phận Metz. Xin thương chúc lành và cầu nguyện thêm cho con. Con cũng xin cảm ơn cha bố, cha Phaolô Trần Văn Hiền. Cha đã đồng hành cùng con và nâng đỡ con ngay từ ngày đầu tiên khi con bước chân theo Chúa trên con đường ơn gọi. Xin cha tiếp tục đồng hành và nâng đỡ. Tiếp đến, con xin cảm ơn mẹ, cảm ơn các em, toàn thể gia đình nội ngoại đã cầu nguyện, chăm sóc và động viên khích lệ để con bước đi cho đến ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn quý cha xứ, quý cha anh em Linh Tông, quý cha đồng tế, bằng cách này hay cách khác đã nâng đỡ con rất nhiều. Con xin cảm ơn quý cha đã không quản ngại đường xá xa xôi đến hiện diện với con trong ngày hôm nay. Con xin quý cha, cảm ơn quý cha đã đón tiếp con tại giáo xứ của quý cha, cho con được sống và mục vụ trong các cộng đoàn dân Chúa. Con xin tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới mọi người, nhất là mọi người trong giáo xứ Thái Yên quê hương con, đã cầu nguyện và nâng đỡ con rất nhiều trên con đường ơn gọi. Ngày hôm nay, con muốn nói với mọi người rằng Chúa đã thương ban cho giáo họ và giáo xứ chúng ta một hồng ân linh mục, người đã nhận lời kêu xin của tất cả mọi người. Xin cùng con tạ ơn Chúa. Xin nâng đỡ người con linh mục này của giáo họ Thái Yên trên con đường phục vụ Chúa. Con xin cảm ơn và xin lời cầu nguyện đặc biệt tới quý đồng hương Việt Nam trong các cộng đoàn Công giáo Lục Xu Mua, Metz, Paris, Bờ Giang Sông, Strasbourg. Xin nhận nơi con sự biết ơn chân thành. Lời cuối cùng con xin cảm ơn tất cả bạn bè gần xa đang hiện diện nơi đây, cũng như đang theo dõi thánh lễ này bằng các phương tiện truyền thông. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho con, và con cũng mong muốn được gặp lại mọi người trong một ngày gần nhất. Con tân linh mục xin chân thành cảm ơn. Encore je vous remercie de tout mon cœur et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Cap Hon. Je viens d'apprendre ce mot à l'instant. Vous savez ce que j'ai dit? Ah, merci, c'est tout. On a vu que c'était important, tout ce que tu disais. Merci. Alors, eh bien, maintenant, je vais donner la bénédiction. Et je souhaite que ces bénédictions, elles puissent rejoindre tous ceux que vous allez rencontrer, d'une manière ou d'une autre, jusqu'au Vietnam. Il y a encore quelque chose à dire. Oui, moi, vous êtes d'accord. Tous et toutes invités après la messe, après l'envoi, au grand séminaire 4 avenue Jean 23 pour partager le verre de l'amitié. Tout le monde est prêt à boire quelque chose, c'est sûr. Et puis notre abbé Pascal Sarjas parlait du riz. Ça se mange
des pommes de terre, les patates, ça se mange aussi. Et il faut boire aussi. Alors, je vous indique quand même que si vous voulez quelques bonnes bières durant l'été, rapprochez-vous de la pastorale des jeunes, parce que pour permettre aux jeunes qui vont au JMJ bien, de pouvoir y aller sans que ça coûte trop cher, eh bien, ils ont à votre disposition une bonne bière locale contre quelques euros. Alors renseignez-vous et au mois d'août, au mois de juillet, quand vous boirez une bière, vous pourrez dire « Et nous sommes en communion avec les jeunes qui sont à Lisbonne et avec le pape et avec l'évêque. » Vous voyez, il y a beaucoup de motivation. Merci à tous ceux qui ont permis que cette belle célébration puisse avoir lieu et que nous soyons dans la grande joie. Le Seigneur soit avec vous. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, des saints, de tous ceux qui nous ont précédés, Seigneur, nous nous adressons à toi. Tu as fondé ton Église et tu la diriges. Qu'il nous protège, qu'il vous protège toujours par sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge. Amen. Dieu a confié au diacre la charge d'annoncer l'Évangile, de servir à l'autel et d'être au service des hommes. Qu'il fasse de vous, Antoine Alexandre, ses témoins ardents au milieu du monde et les ministres de son amour. Amen. Et vous, nouveaux prêtres, et vous, nouveaux diacres, qu'il fasse de vous un vrai pasteur, un vrai serviteur, chargés de donner aux fidèles le pain vivant, la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.